situation à ce corner après une belle séquence de domination. Cristiano Ronaldo. Le gardien qui repousse, attention. Ah, il a cherché Douglas Costa. Ah ouais, l'action au ralenti, on comprend la joie du buteur hein, parce que c'est un geste difficile à réussir. Bon, alors quand tu le rates, t'es ridicule, mais alors quand ça marche, qu'est-ce que c'est quand même. Lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il a Cristiano Ronaldo. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Zlatan. Oh, il va filer au but. Attends. Oh, il va filer au but. Attention. Et ça y est. Quelle action, Pierre. Surtout, quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Qui récupère. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Saúl choisit la frappe. Et c'est un but. La marque des tout grands. L'Espagne qui a retrouvé le ballon. On écarte le jeu. Thiago Alcantara. Il y a quoi, ça se passe. Il cherche un... Oh, il but. Blaise Matuidi. Ouais, Matuidi dans l'espace. On a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Ah non, le ballon est perdu. Et 30 minutes. Paolo Dybala, le bon ballon en profondeur. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, la bonne passe en profondeur. Bien vu. Ouais, de la tête, c'est superbe. Ouais, les appuis sont bons. La détente est bonne, il y a de la précision dans le geste. Tout y est sur ce coup de tête, le timing, la précision et évidemment la puissance.